Je suis Docteur Ngou Patrick, médecin, pédiatre, exerçant au Cameroun. Et je me retrouve ici dans les locaux du Nubisi Resource Center, spécialement dans le cabinet médecin 2.0. Et je suis là pour vous parler du cabinet médecin 2.0 et du concept 2.0. L'idée derrière est que le cabinet 2.0 devienne la maison par excellence du professionnel de santé et du médecin. Médecin généraliste, médecin spécialiste, professeur, infirmier, cet espace est le vôtre. Donc, si vous avez besoin de faire une communication sur la santé, si vous avez besoin de faire des vidéos professionnelles, si vous avez besoin de faire des vidéos de sensibilisation, si vous avez besoin de former des collaborateurs, l'espace Médecin 2.0 est le vôtre. Vous êtes la bienvenue. Médecin 2.0 se veut être la référence en tout ce qui concerne l'accompagnement des projets dans le domaine de la santé pour les petits et les grands entrepreneurs. Alors, si vous voulez, ou si vous avez un projet d'ouvrir une formation sanitaire, vous voulez connaître les procédures, les endroits indiqués et le type de projet, Médecin 2.0 met à votre disposition des experts, des consultants pour vous accompagner dans ces différents projets. Il m'est arrivé dans mon expérience de médecin d'avoir des appels camerounais de la diaspora qui ont ouvert des formations sanitaires et se plaignent que les formations sanitaires ne marchent pas. Elles sont en train d'aller vers la banqueroute, elles sont en train de fermer parce qu'elles ne comprennent pas comment ça se passe. Elles ont du matériel, elles envoient des couveuses, elles envoient du matériel, mais le centre n'arrive pas à décoller. Et beaucoup de formations sanitaires comme ça ont fermé alors qu'elles souhaitaient apporter une plus-value au système de santé camerounais. Alors, si vous êtes porteur d'un projet dans le domaine de la santé, médecin ou pas, la maison, le cabinet Médecin 2.0 est fait pour vous. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Venez visiter la maison, imprégnez-vous. Et nous voulons que d'ici 3 ans, cette maison, ce cabinet médecin 2.0 soit la référence en ce qui concerne la médecine et l'entrepreneuriat, mais dans le respect de l'éthique et de la déontologie.